Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve devant l'épisode 7 de Resident Evil 3. Ça y est, j'ai retrouvé mon micro, mon ordinateur, mon setup au global. Et je peux vous dire que là, il n'y aura plus un seul pet de bug. Ça va être magnifique. Et peut-être que si... Bon, si jamais j'ai la foi, je vous fais un rendu en 4K. En tout cas, regardez cette beauté, regardez comme c'est réellement magnifique. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un petit like, un petit commentaire, mettre un casque ou des écouteurs, prenez un petit truc à manger, mettez-vous confortable évidemment, mettez-vous bien et on est parti. Souvenez-vous, on était en train de fuir les égouts et plus précisément l'entrée du métro parce que Nemesis étant l'un des plus gros forceurs EU, il nous a suivis jusqu'à la mort. Niveau munitions, c'est chaud. Hein. Ah ouais, non, vous abusez les gars. Hop, ça c'est cadeau, tu l'emportes, t'en fais ce que tu veux. Ah oui, d'accord. Bon, eh les gars, on va pas tergiverser. Voilà. Donc, comme je disais, pas tergiverser. Beaucoup plus nombreux que dans le 2. Et quel plaisir. Alors, j'ai vu certains de vos commentaires qui disent « Ouais, B-Boy, c'est une révolution dans ce Resident Evil 3. Ils ont loupé 2-3 passages qu'il y avait dans l'original. Je suis outré, etc. etc. » Alors, sachez que je n'ai pas fait l'original. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit à peu près 35 fois. Sachez aussi une chose, c'est que c'est chiant. On est d'accord. Je suis en tout cas d'accord avec ceux qui l'ont fait. C'est chiant, mais... c'est pas bien grave parce que je suis quand même heureux de replonger dans l'ambiance Resident Evil seulement un an après avoir fait le 2. Et Dieu sait que le 2 était extrêmement bon. Donc, en soi c'est pas bien grave. Par contre, s'il t'envoie des vagues comme ça... Oh putain, ça m'a fait flipper les tuyaux au-dessus. S'il t'envoie des vagues comme ça, c'est pour te vider tes cartouches. Donc en soi, c'est pas bien grave parce que... quel plaisir pour moi. Quel plaisir pour moi. Si seulement tous les ans on avait un nouveau Resident Evil. Bon, je comprends qu'un sacrifice de scénario, ça reste un petit peu bébête. Pour le coup, ils ont un peu déconné. Oh, soupe. Quoi? Non. Il est toujours vivant. Je peux pas rester ici. Non, tu déconnes. Échapper à la créature. Mais non, mais tu déconnes. Regardez comme c'est Sugoi. C'est beau, on est d'accord, le jeu est très très beau. Moi je suis toujours en admiration, parce que voilà, Resident Evil, c'est une licence qui me touche à cœur. Et d'ailleurs, je sais déjà ce que je vais vous faire, vu que Last of Us a été repoussé. Je sais ce que je vais vous proposer en attendant. Brochure de la tour de l'horloge. Tour de l'horloge de Saint-Michel. La tour de l'horloge de Saint-Michel est un édifice de style baroque qui se trouve au cœur de Raccoon City. Aimée des habitants, elle est considérée comme un emblème de la ville dans son ensemble. L'église Saint-Michel a érigé cette tour en 1908 avec l'aide de plusieurs philanthropes. Elle était dédiée aux enfants nés dans la ville encore en développement et le rez-de-chaussée a été utilisé comme école primaire pendant de nombreuses années. Au début du XXe siècle, la ville a connu une nouvelle période de croissance avec l'achèvement de son électrification et les effectifs de l'école primaire Saint-Michel ont alors dépassé les 600 élèves. Malheureusement, l'école primaire Saint-Michel a dû fermer ses portes en 1978 alors que le bâtiment commençait à montrer d'importants signes de vétusté. L'horloge a été désactivée et les lieux ont fait l'objet de tristes restrictions d'accès. Les années ont passé avec ce monument jadis aimé et sa place publique fermée. Mais dans les années 1990, Umbrella Corporation a travaillé en collaboration avec le maire Michael Warren pour rénover et rouvrir le quartier. Cette fois avec la mise en place d'un plan de préservation approprié. La tour de l'horloge a été officiellement rouverte en 1993 et aujourd'hui, le son de ses cloches résonne à nouveau dans la ville. Ok, bon, vous l'aurez compris, c'est notre prochaine destination. Là, on a une plante, on prend, on adore les plantes. Très très bien, on a quoi d'autre? On a juste une petite plante verte les gars, c'est pas un peu de la gueule du monde? On a une petite caisse, évidemment qu'on prend. Genre là, il n'y a pas eu un cadavre. Oh. Non, mais attendez, ils se cachent partout, ces salopards. Hein. Ils se cachent littéralement partout, ces salopards. Oh, bah voilà, là, tu commences à me plaire. Alors, bah là, c'est pareil. Hein. Oh, ça va swinguer, ça va swinguer. On va mettre les cartouches acides. Ça devrait le faire. Ah non, c'est les mines. Ça devrait le faire aussi. Suffit de le poser au sol.
Pas besoin d'être bien intelligent pour comprendre ça. On a un pont, le pont. Bon, vous savez que les ponts, ça sent rarement bon dans un jeu vidéo. Voilà. Toujours le même, hein. Il est un petit peu mal, normalement. Il va sauter. Hé, hey, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Il y a des blessés? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde! Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis! Quoi? Non, mais je rêve! Ah oui! Ah oui! Ah oui! La gueule du truc! Regardez les détails comme c'est bien fait! Oui. Oh, c'est pas vrai. Oh shit, here we go again. Non, 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 j'ai peur! J'ai peur. Aïe! Ouais, je crie. Ok. Reloading! Aïe! Ok. Ok. Je crie avant qu'il arrive. On sait jamais. On pré-shot. Oh putain. Il va faire un truc, lui, hein. Eh oui, c'était sûr en fait, c'était sûr! Aïe! Ah ouais, non, il m'a éclaté! Ok. Ok. Très bien, il est énervé! Faut partir, monsieur, mais gros, c'est ça, Nemesis, frère! Ah, j'ai rien dit! Ok. What? Tricheur! Il s'arrête pas? Ok. Wow! Frère! Ok, ok. Oh, oh, oh. Attends, je rigole, hein. Ok, mec, t'es immortel. Je crois qu'il est totalement immortel. Oh là là. Oh là là. J'ai plus rien. C'est ça la douleur. Douleur, douleur. Sussure-moi tes mots. Bon. Je trouve un moyen de l'arrêter. Oui, attends, on cherche tout ça. Ok. Ok. Ah oui, 30. Ok, d'accord. Donc le combat devait, quoi qu'il arrive, durer longtemps. Parce que quand tu donnes 30 balles de pompe, c'est forcément. Ah oui, d'accord, il est dans la tour, le gars. Plus dur sera la chute, mon gros. Ok. Wow! Il est méga chaud! Désolé de me tuer! Mais. Faut mourir, monsieur! Aïe! Arrêtez, monsieur! Aïe! Ok, on va courir. De toute évidence, je ne suis pas aimé. Lui.
frérot, serait-ce qui tu veux là. Ça se fait pas comme ça. T'as vu le bordel ou pas là qu'on attaque? Vas-y, hein, tourne bien. Hein. Fous-toi de la gueule du monde. Hein. Ok. Oh non, c'est chaud. C'est chaud. Attends, c'est quoi là le projet là? On fait le gars le plus chaud à battre au monde? Quelle traîtrise! Faut mourir là, vraiment, hein. Ça commence peut-être à faire un peu long. Là, d'après les experts, on est quand même sur une longueur là. Hein. Non, gros, c'est un truc de ouf. Beaucoup trop long. Ok. Bon, vu l'état d'urgence. Ouais, non, mais une plante. Une putain de plante combinée. C'est pas grave, on prend. Là, on est sur une longueur de type très long, non? Je sais pas, non? Vous en pensez quoi, là, un peu, là? Attendez. Il est où? Mets-toi... Eh ben, voilà! Ok, va en finir. Prends. Toujours là? Évidemment, il fallait que ce truc me lâche maintenant. Fais chier! Bon, allez. Pour le plaisir, vraiment pour le plaisir, on peut faire une petite herbe. On l'a plutôt bien détruit. Par contre, j'avoue que il est gourmand. Il est gourmand, le gars. Il a pas peur. Est-ce que là, il est mort? J'y crois moyen. Je pense qu'il va peut-être encore évoluer. À mon avis, il est pas prêt de nous lâcher. Par contre, c'est une belle bête, hein. Très beau bestiole, hein. Là, vous avez de quoi manger pour 8 personnes aisément. Ah, la vache, il était incroyablement long. C'est terrible. Je crois que c'est le mec le plus long dans un Resident Evil qu'on ait tapé là, non? Oh, Sugoi, regardez-moi ça. Oh, mais ça, faut prévenir ça, les gars, hein. Faut prévenir quand on met des mines comme ça, hein. Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. Succès déverrouillé, je ne sais pas ce que j'ai quelques heures plus tard. Jill! Hé! Parle-moi! Tyrell, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Ah!
trouver, ce vaccin. Ok. Tu vas t'en sortir. Bon. Je te le promets. Bah j'ai rien à lui donner. Impeccable. Impeccable, impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on peut le jeter. C'est plutôt cool. Comment on jette, d'ailleurs? Oh, damn! J'aurais pu l'utiliser quelque part, ça veut dire. Pour ouvrir la salle des casiers. J'ai pas pu ouvrir la salle des casiers. Quelle tristesse! Et le badge aussi, il me sert plus à rien. Jeter. Ok, jeter. Ok. Bon! Notre sœur Jill est contaminée. Et c'est très embêtant. On va tout fouiller par ici. Il n'y a que dalle. Ça, on dépose. Hein, évidemment. Ça, on va poser celle-là. Et on va garder les munitions de fusil d'assaut juste ici. On est pas mal. On est pas mal. Bon! Il est en save, mine de rien. C'est parti! Direction l'hôpital. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Munitions de fusil. Ça, c'est très très bon, ça. Ok. Ok, ok, ok. Je sais pas du tout si... Terrell, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Ok, on essaye de tout regarder. Très bien, ça. Attendez. Très bien, ça. Ça va swinguer. Hein. Quand on te donne autant de munitions comme ça, tu sais que ça va swinguer. Alors, attendez. Je vais carrément redonner ici. Hop, voilà. On a 4 sprays, on est méga bien. En vrai, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Resident Evil 2 nous a beaucoup appris. On en a chié dans ce RE2. Ok. Ok. Je distribue des petites calottes à gauche, à droite. Oh. Attendez, messieurs. Il est beaucoup trop fort. Monsieur. Très bien. Faut mourir un petit peu plus tôt, s'il vous plaît. Ah, il met les mêmes coups de couteau que Leon S. Kennedy. On a quelque chose ici qu'on ne peut pas ouvrir, évidemment. Le crochet, je pense que c'est Gilles qui peut s'en occuper. Brochure de l'hôpital. Bienvenue à l'hôpital mémorial. Ok. L'hôpital mémorial a été créé par la fondation Spencer pour être le centre névralgique des soins médicaux de toute la région. En plus d'un service de consultation externe ultra moderne et d'une aile d'hospitalisation spacieuse, nous sommes fiers de disposer de l'une des plus grandes unités de recherche du pays, dans laquelle nous conduisons des essais cliniques sur de nouveaux traitements qui révolutionneront la médecine à travers les États-Unis du monde. Les États-Unis du monde, ça ne se dit pas, ça. Sûrement les États du monde, je ne sais pas. Vraiment pas le moment. Ok. Ah. Oh. Ok. Ça m'a fait un petit peu flipper, celle-ci. Ok, on a une plante, ça, on prend les plantes. On adore les plantes, n'est-ce pas? On peut continuer. J'ai pas de balle de pistolet, hein. Au diable l'avarice. Oh, shit. Je sais qu'il y avait des portes un petit peu partout. On a quoi, là? Ah ouais, non, les gars, c'est pas drôle. Je pense qu'il faut que je trouve le remède. Je le donne à Jill. Et on se casse. Ok, on a quelque chose de l'autre côté. Pardon? Une musique étrange? Pas de soucis. Bienvenue dans le bureau du docteur Nathaniel Bard. Veuillez indiquer la raison de votre visite via... Lecteur de cassette? Interphone. Lecteur de cassette, examiné. Il n'y a pas de cassette à l'intérieur. Très bien, c'est qu'on va les trouver, n'est-ce pas? Le bureau de Dr Bard. Je kiffe cette ambiance, tu vois.
Ça fait un peu ambiance commissariat. Note d'une infirmière le 25-09. Chaque jour, on reçoit de nouveaux patients atteints de cette mystérieuse maladie. Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire, alors nous avons recours aux camisoles de force pour les déplacer vers l'aile d'isolement. Le problème, c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée. Le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes. Mais qu'espère-t-il que nous fassions ? Leur souhaiter d'aller mieux ? Nous n'avons aucun remède. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'un patient décède, il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles. On nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager. Mais j'ai un peu de mal à y croire. Miranda a vu des types franchir la porte interdite avec un corps lors de son service de nuit. Où l'ont-ils emmené? Et pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, très bonne question. Docteur Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte! Voix non identifiée. Voix non identifiée? On est dans un film de SF ou quoi? Ok, ok. On va combiner ça et ça. J'espère que vous êtes plongé dans le noir. Oh shit! Here we go again. Ok! Ils sont énervés. Il va se calmer, Bobby. Lui, il va ouvrir la porte, lui, un jour. Ok, on a des trucs ici. Évidemment, 30 balles, je les prends. J'en ai utilisé presque 30, en vrai. Ah! Oh putain, sa mère! Oh, sérieux! Elle m'a fait tellement stresser! Ouh! C'est pas beau, ça, hein? Ça, évidemment, c'est fermé. On va passer, on va aller de l'autre côté. Quoi? Forceuse, elle, hein? Elle, ça va être la forceuse de l'épisode, hein? Bon! On va passer par ici, maintenant. Ouais. On est de l'autre côté d'une aile, me semble-t-il. Si je ne m'abuse. On peut peut-être aller là, non? Non, dommage. Ah, elle m'a pas mis bien. Maintenant, je vais vérifier tous les cadavres, même sur les lits. Je m'en bats les couilles. Ok, c'est par ici. Oh là là, c'est loin! Ah! Et en putain, je regardais même pas en plus, frère. Elle est tombée de là-haut? Ok. Ah, mais ils sont forts, hein. Musique plus bruit, frérot. Ça te met sale? Ok, il y a écrit sortie. Je suppose que c'est pas ici. Voilà. Je commence à vous connaître, les frères. On reload toutes les deux secondes. Je commence à vous connaître. Très bien. On continue. Attends, là on a quelque chose, on a rien. Ah, on rejoint la sortie pour retourner dans une entrée. C'est intéressant. Shit. C'est loin là, non? Oh, ça je le prends par contre. Pas à côté, hein. Peut-être par là, non? Là les gars, je m'aventure dans les premiers couloirs que je vois. Qu'est-ce que c'est? Non! Nous sommes proches de l'enfer. Quelle idée. Non! Mais qu'est-ce que je branle? Ah, attends. Oh non, mais quel enfer. Bon, c'est pas mal. On a trouvé une clé dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Attends, c'est fort dommageable. On va peut-être pouvoir ouvrir quelque chose, par contre, non? Attendez. C'est fort embêtant. Ok, un raccourci. Yes, je me souviens. Je me souviens, fut un temps, on passait par ici, moi et ma grand-mère. Ok, ok, ok. Très bien, je sais où nous sommes. Eh ben, on remonte. On remonte tranquillement. On a déjà une clé, c'est pas mal. Il nous a fallu faire quelques cascades, mais enfin, on l'a fait. Attends, je suis pas serein.
Je serais serein que quand je verrais qu'il y a genre un zombie. Pour repasser par là? C'est bizarre. Ok. Putain, j'entends des bruits, les gars, je suis pas bien. Ah, c'est bon ça, on a le plan. Oh, je sens qu'on va rester pas mal de temps par ici. Très, très bien. Bon, on va prendre toutes les balles. On va rester pas mal de temps par ici, à mon humble avis. Eh ben, on a découvert un nouveau lieu et ça, ça fait plaisir. Note d'une infirmière. Plus de 20 patients atteints de cette mystérieuse pathologie ont été admis. Les patients dans l'aile d'isolement présentent des symptômes aigus, nécrose sévère des membres, forte fièvre, démence et signes d'hyperphagie. Infection possible, nous avons testé toutes sortes d'antiseptiques. L'unité de recherche ne nous a pas encore renvoyé les résultats des analyses sanguines. Redemandez. Le docteur Wong a été mordu alors qu'il traitait l'un des patients. Nous avons désinfecté la plaie, mais sa fièvre ne diminue pas. Rien ne semble faire effet. Pendant ce temps, les patients deviennent plus violents à chaque minute qui passe. Nous avons rappelé le personnel de réserve pour nous prêter renfort. Il faut absolument contenir ce chaos. Effectivement, sinon c'est fort dommageable, n'est-ce pas? Oh là, on a beaucoup de trucs, hein. On a beaucoup de trucs, on est régalé. Il y a même plus qu'il n'en faut, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi ça, voilà, on a des balles, en veux-tu, en voilà. Ça, vous savez que ça va swinguer, regardez avec Gilles. On pensait être tranquille pendant des années. Et je veux dire, il suffit d'un Némésis. Il suffit d'un Némésis. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire et le petit partage, ça fait toujours agréablement plaisir. J'espère que la hausse de qualité, vous l'avez déjà remarqué et vous l'appréciez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.